tes amis, téléspectateurs ou bien auditeurs, ou sous Télé l'Église, ou pour regarder ou bien tendez émission nous qui a pour titre Bible en main. Sujet à lui-même, pour qu'on parle, lui expliquer tête li, c'est une émission côté nous ouvrir la Bible, nous ouvrir lui-même, lui parler pour qu'on parle. Nous avons un peu le monde sous console là, ensemble avec nous, tant que Pasteur Gandhi, Pasteur Gomer, Pasteur Opon, Pasteur Chevrin, Pasteur Kelly, un paquet, Pasteur, il y a notre frère tout, tant que Frère Smith qui peut revenir, Frère Vario, Frère David, Antilus, etc. Donc, si nous avons commencé à citer là, nous pas besoin de suspendre parce que il y a l'autre monde qui peut entrer et qui a venu. Pasteur Labode, c'est lui-même qui est censé co-host, c'est lui-même tout qui pourra le présenter orateur. Pasteur Labode, bonsoir, c'est un plaisir pour nous commencer. Alors. Bonsoir, nous sommes très bien contents ensemble avec nous, chers amis téléspectateurs. Nous saluons nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Télé l'Église à présenter à Soya, Bible en main. Et c'est Pasteur Paul Mathias eh bien, qui va présenter nos programmes. Ça, c'est chaque samedi soir à partir de 9h du soir que nous allons sauter de l'église pour présenter nos programmes. Ça, un programme qui est très intéressant. Avec nous, Kounia, le Pasteur Paul Mathias. Bonsoir, Pasteur Labode, et bonsoir, et nos amis téléspectateurs et amis qui sont sous console là. Nous souhaitons bienvenue sous Bible en main et que bon Dieu capable permettre de nous passer un bon moment ensemble. Et nous pensons dans le contexte n'a pas évolué aujourd'hui là, dans le contexte COVID-19 là, il est tout à fait important et pour nous parler en contexte parce que nous comprenons tout le monde et qu'on y a posé question, a demandé est-ce que c'est prophétie qui a pas accompli, qui s'est privé comme ça. Nous comprenons c'est un bon moment pour nous avoir et reviser et ça la Bible dit nous et concernant ça qui vient pour venir dans temps qui pas trop loin là. Jodi a dans émission Bible en main n'a pas demandé ou pour prendre Bibou avec nous et nous pral parler sur le plan eschatologique des derniers temps. Le plan eschatologique des derniers temps. Et nous avons commencé à partir de Matthieu 24 parce que nous pensons que c'est une plus bonne place pour nous avoir commencé. Et ensuite, nous avons traversé l'Apocalypse, nous parlons de Daniel un peu partout, juste pour nous capables de faire éclairage pour sous, c'est-à-dire causer eschatologique, là, je veux dire. Matthieu chapitre 24, c'est un chapitre qui est extrêmement intéressant. C'est un chapitre et dans le premier évangile là, et qui seulement gagne là dans quelques 51 versets. Mais on a focus vraiment sur le premier à 35 et on a regardé pour nous voir qui ça nous capable d'apprendre là dans. Mais comment le commencer? Le commencer, c'est sur un entretien Jésus te gagne avec disciples. Il dit. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Et dans deux versets, nous sommes capables de faire radiographie et conversation qui t'a fait entre Jésus et monsieur. Premièrement, monsieur, Jésus lui-même qui connaît ça qui est dans tête, monsieur. Yo. Jésus qui connaît comment façon de penser. Yo. D'ailleurs, nous songez que la Bible dit nous que Jésus, c'est lui-même qui connaît tout ça dans l'homme. Il n'y a pas besoin de monde pour dire qui ça dans l'homme. Et Jésus dit, monsieur, yo, est-ce que nous, ouais, alors monsieur dit est-ce que nous ouais temple ça est-ce que nous ouais beauté temple là parce que quittez me rappeler nous temple là c'est un temple qui te gagne une beauté extraordinaire et à cause de cette beauté extraordinaire temple là t'est devenu nous t'a dit fierté juif yo parce que juif yo d'après eux même temple là c'est comme t'a dit où t'as parlé avec un indien et puis il parle du Taj Mahal. Et, ou bien
ou parler avec avec n'importe l'autre nation, ça ou gen la caillou qui plus belle, qui plus appréciable, qui plus représentable, et puis yo di ou quand on dado c'est lui même qui fierté yo. Et mais pour juif yo, temple là, c'est lui qui t'est fierté yo aussi bien. Et bien monsieur dit Jésus, est-ce que le remarquer construction qui pour qui raison yon question qu'on s'est obligé poser pour demander Jésus est-ce que le remarquer parce que nous connaissons le ouais il y a moyen pour le ouais j'ai pas bouché mais Jésus répond yo il dit yo est-ce que nous ouais temps ça il dit en vérité m'a dit nous ça pas gain youn nan wash ça yo cap continuer rester youn sous l'autre qui pas traverser qui pas chavirer. Et moi comprendre c'est ton déclaration écœurante, c'est ton déclaration complètement déconcertante pour monsieur yo, les yo tendez déclaration ça Jésus fait parce que déclaration son déclaration qui attaquait Santa Barile fierté yo directement, son déclaration qui attaquait directement et ça qui fait tout prestige monsieur yo. Et mais c'est ainsi que conversation et continue d'où Jésus pendant Yoshita et sous montagne Mondez Olivier. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Maintenant qu'on y a disciples à poser question parce que Jésus fin fait qu'elle a sauté et il dit les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Il dit quand cela arrivera-t-il? Donc quand cela arrivera-t-il? Donc qui le et temple là a obligé chavirer tout roche à chavirer yo. Il dit, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Disons, il y a trois questions vraiment qui entrent en ligne de compte. Et monsieur yo, t'avare me connaît, de qui le bagage sera privé parce que nous connaît contextuellement et monsieur, disciple Jésus yo, t'es espéré Jésus t'a vu noir, non titan tout coûte, et puis pour yo même t'avare joui. Parce que c'était compréhension tout au début. Eh bien, Jésus répond yo. C'est alors Jésus dit yo. Et dans verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et avant même que me traverser là, quittez me dit nous d'abord que Daniel, dans Daniel chapitre 9 verset 26, tu as une prophétie que tu as faite déjà concernant temple là. Quittez me lire pour nous. Il dit après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Voilà, dans prophétie 70 semaines, ange Gabriel t'est révélé à Daniel. Et ange Gabriel dit Daniel, dans troisième verset, dans déclaration qu'il a fait à Daniel là, il dit Daniel, disons, après 69, dans 70 semaines, yo, gagnons un cap retranché, il n'aura pas de succès. Alors, ça qui est important là, c'est le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Nous comprenons que prophétie a été faite et faudrait-il bien que l'irrivée joigne accomplissement. Ni? Et c'est ainsi que, on y a le Jésus, dit monsieur yo, pas quitter moun troublé nous. Parce que plusieurs moun ap vini sous nom moins, gampil kap dit c'est moi-même qui Jésus a, gampil kap séduit en pile l'autre moun. Et puis Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et nous comprenons aussi que après Jésus fin mourir, l'enlevé, et nous comprenons que Israël gagne dans le futur et encore futur pour nous. Et dans toujours dans Daniel 9 là gagné prophétie qui fait que Israël gagné pour faire alliance avec plusieurs nations, nous comprenons, mais cependant après la destruction du temple en l'an 70 par l'empereur Titus, nous comprenons que Israël pataka gétant fait alliance parce que pas d'on Israël qui était existé encore en tant qu'une nation.
Et puisque Israël n'existait pas encore, ou bien n'existait plus comme une nation, nous comprenons que et cette partie de la prophétie pour qu'arriver dans l'accomplissement. Mais cependant, et Jésus dit, monsieur yo, gagne moun ka bin sou nom, ki le moun yo a bin sou nom, c'est pas dans le, c'est pas avant Israël te dispersé, mais nous quoi, c'est non temps, non seulement non temps pas nous, gagne ça, mais ça gagne pour augmenter, et non temps ka bin yo, non temps côté, l'antéchrist la gagne pour le révéler, et c'est pas lui même seulement, non, en pilote a bin yo, sous nom Jésus, qui a dit c'est eux-mêmes qui Jésus, mais cependant, il dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et moi, comprendre que et bien, on intensification des choses qui obligé fait et ceci là nous dans moment côté n'a pour en pile tremblement de terre nous en pile du feu apprend naturellement nous en pile avalanche de boue avalanche de neige en pile inondation qu'a fait dans le monde et tremblement de terre même les gars des gars en pile tremblement de terre qu'a fait grand pile c'est pas sans raison. Nous connaissons ceci depuis toujours, ça te connaît toujours arrivé, mais fréquence ça qu'a privé yo augmenté au fur et à mesure d'approcher nous vers les derniers jours. Et Jésus yon démarcation là pour le faire monsieur connaît que et lorsque nous une nation a pleuvé contre nation, guerre a fait à droite à gauche, lorsque tout ça a fait, ça yo il va nous comprendre, c'est la fin. Parce que ça yo, c'est seulement troquette là et chat la guerre pour le venir. Eh bien, c'est comme ça, nous comprenons que pendant moun a gardé un événement quand le COVID-19 qui arrivait, et puis grand pile, moun a posé cette question, a demandé est-ce que c'est pas la fin? Est-ce que Jésus pas arrivé? Est-ce que Jésus pas venu? Ou bien est-ce que Jésus pas pral venir demain? Qui t'aime dire? Se pourrait-il bien que Jésus vienne à soir? Se pourrait-il bien que le cas vienne dans 10 ans? Se pourrait-il bien que le cas vienne encore dans un siècle? Nous pas connaît. Mais cependant, nous connaît Jésus a venu et nous quoi l'a venu bientôt. Mais c'est pas petit événement ça ou les nous pour nous comprendre c'est ça qu'a fait Jésus venir. D'ailleurs c'est pas événement yo qu'a fait Jésus venir. Nous quoi que c'est la venue de Jésus qui permet événement ça arriver comme avertissement avant longtemps que Jésus a retourné parce que c'est ça le bail comme signe retour là et si nous regardons bien aussi gagnons parti dans question monsieur opposé à Jésus pas répondre parce que monsieur dit qui le ça a privé le pas Dieu exactement qui le ça a privé parce que il était imminent et mais répondre deuxième partie là et pour le dire dans verset 3, là où dit quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et Kounia, nous comprenons que monsieur yo, t'a deviné émerveillé. Eh bien, dans verset, si nous arrivons dans verset 10, dans verset 10, il dit alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Nous connaissons ces bagailles qu'a fait. Tout au long de la route, il y a bien des faux prophètes, et ceci, je dis, ce n'est pas étonnant du fait que nous gagnons des hommes qui ont fait toute qualité manigance pour capable faire l'argent. Nous gagnons des hommes qui ont fait toute qualité manigance pour capable faire des réputations. Nous gagnons des hommes qui ont utilisé l'évangile pour faire toute qualité, ça vous voulez, mais qui n'ont pas gagné nécessairement pour être avec. Et ça, Jésus-Christ a dit, l'aime dit pas grand rien pour ouais monsieur ça yo pas moun k'ap travaille pour Jésus mais il gain pour ouais avec ça Jésus te dit pito que gain pile faux prophète k'ap vini ça fait jodi a nous entraver avec faux prophète et gain pile moun ki troublé et ki t'aime dit nous que votre cœur ne se trouble point a dit Jésus à ses disciples que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi et ça yo a continuer arriver et ça yo c'est trop quête là et chala beaucoup arriver
Et dans verset 12, nous voyons, il dit, parce que l'iniquité se sera accrue. Regardez bien pour nous. Et gagnons une sorte de changement, une sorte de progression dans réponse Jésus. Jésus sorti dans le temple qui gagne pour détruire que le pape, mais sur réponse là, il y a un signe, et puis à partir de ces signes, il dit dans verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue. C'est quoi l'iniquité? Il dit la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans verset 12 là, il dit parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous comprenons à faire référence à l'époque qui vient pour venir, à l'époque qui vient pour venir bientôt, à l'époque qui vient pour venir, la période de la grande tribulation qui vient pour arriver sur la terre. Et période qui vient pour arriver, hein? Nous connaissons période aussi qui était prédit avant Jésus par Daniel et que m'a lu pour nous dans Daniel chapitre 9 verset 24, il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Et puis il dit, sache-le donc et comprends. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Et au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Et puis verset 26, comme tu l'as lu pour déjà, et il dit après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Le verset 27, c'est le plus attiré. Nous lui dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alors, ça, c'est prophétie Daniel, t'es fait. Et longtemps avant Jésus, t'es venu. Et Jésus vient authentifier ça, Daniel. Et t'es dit, et Jésus dit que peuple Israël, comme t'es dit nous avant, qui t'es obligé quitter Théa, quand vous j'en verset 26 là, dit nous, t'es obligé gagner parce que temple écrasé et payer peuple à aller partout le monde, peuple à venir errant sur la terre, mais faudrait-il bien que peuple à retourner, et passage ça, Jésus évoqué là, son passage qui gagne pour louer avec peuple ça, qui gagne pour le retourner, et l'aile retourner, c'est ça qu'il dit, l'iniquité ce sera accrue et lorsque l'iniquité sera accrue, et puis verset 14 plutôt, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors nous comprenons que et ben nous grosso modo yon évolution des choses qui vient pour arriver, nous comprendre en pile démagogie à fait avant nous arriver dans la fin, mais c'est pas encore la fin, ça nous est qu'à priver yo. Mais cependant, Matthieu chapitre 24 parlait non seulement de yon prophétie qui vient pour accomplir non titan qui est pas trop long, l'an 70 concernant le temple, mais aussi lui parler de semaine qui vient pour venir, que n'a bien pour n'a bien prochainement parler davantage sur lui avec vous, et parce que mettre là ça Jésus fait, monsieur pose une question spécifique et puis lui-même lui répond monsieur plutôt universellement, et disons lorsque nous arrivons dans ça nous relève l'intensification des tribulations côté la vie t'a dit presque invivable
et c'est là Jésus rivé et puis il dit messieurs, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors nous comprenons, il fait référence directement à moun qui gagne pour yo obligé persévérer, à moun qui obligé persévérer jusqu'à ce que moun qui pendant la grande tribulation, ça la Bible dit les martyrs. Moun sa yo faudrait-il bien que yo continue persévérer et pour yo capable river sauver. C'est pas un passage, c'est pas un verset qui référé à l'église actuelle, mais son verset qui référé li à moun qui gagnent pour yo vinn des martyrs pendant période de trouble et période de tête chargée ça qui gagnent pour river et bientôt non disons dans monde nous dans monde côté nous habiter aujourd'hui ce soir avec génération par que ce soit avec que ce nous, soit avec génération qui vient après nous hein, mais tôt ou tard nous connaît et ça Jésus dit il y a arrivé et il y a arrivé advienne que pourra disons nous comprenons aussi que ça fait longtemps ça fait presque environ 75 années presque près depuis Israël qui pas existé comme un peuple pendant 2000 ans près, Israël obligé retourner dans pays li pour prophétie ça a accompli disons les nous rivé dans temps côté nous bagay a viré Jean a viré a et Israël lui-même et pour commencer tourner dans pays d'après ça qui écrit dans Ézéchiel chapitre 37 21 à 28 nous comprendre que nous plus près que nous plus loin et disons l'événement les troubles qui a privé dans le monde ça montre nous seulement que nous sous chemin hein, nous sous chemin pour nous arriver côté pour nous pas pour nous arriver côté pour nous pour Jésus retourner mais nous poko dans la fin hein, parce que ça yo là yo arriver c'est montrer ou montrer seulement que nous pi près la fin hein, parce que nous pi loin ni. Disons dit que à partir du moment où temple t'es fini détruit, m'a récapitulé. À partir du moment où le temple t'es fini détruit, Israël pas existé et l'église a fait chemin et l'église là et continue à faire chemin et pendant l'église là, Israël commençait tourner dans pays li, disons nous comprendre que et événement yo a marché parallèlement, yo pas trop loin passé ça et retour Jésus-Christ, mais nous pour arriver dans fin en nous préparer nous jusqu'à ce que et nous arrivons dans un moment côté Jésus-Christ éventuellement à retourner pour venir chercher monde qui fait volonté. Et moi espérer à soi c'est un monde à coûter nous ou pas contre Jésus comme sauveur et seigneur ou n'a pas invité ou à soi quel que soit côté ya ou capable chercher yon l'église évangélique et côté ou joignou pour capable accepter Jésus comme sauveur et comme seigneur ou. Et maestro David nous avec aussi gagnon on intervention en question. Merci en pile sans doute, m'té ouais tout le monde t'a écrit, ça veut dire que gagne en pile question déjà dans l'air, ça so, penser nous gagne pile question, c'est ça. Ah, papa ton message poser première par exemple, après ça va ouvrir bah tout le monde. Ah, m'est content avec référence Israël là parce que nous alors m'pas ta dit son question non. On avance, on commentaire. Commentaire. Je content à Israël que vous mentionnez, parce que nous tendez souvent, et presque surtout, mon qui pas quoi, yo, yo toujours dit ça. Donc, depuis petit, depuis me lever, sommes toujours tendez. T'es toujours gain guerre, t'es toujours gain famine, t'es toujours gain ça. Alors bien que tension en pire oui, mais au grand raison pour dire que t'es toujours gain ça, t'es toujours gain ça. Mais l'on vient avec Israël kounya là, côté Bible a dit que des pouvoirs, des figures a commencé pour se faire. Ça a dit que Israël, non, fin camper sous pied encore, n'est pas ton nation, kounya son nation. Ça a son évidence à mon avis. Kounya là parce que pas gain monde avant 1948 qui te gagne ça comme en évidence que l'on gagne ça qu'on y a pensé son backup son référence d'appui lié pour dire oh mais Israël vit en nation Bible a te dit ça so, est-ce que nous pas penser et you know penser c'est une bagaille qui très concret qu'on capable appuyer sous lui si on monte à Dieu par exemple depuis petit tu es toujours gagne guerre tu es toujours gagne genre de bagaille comme ça
So, well, alors, il en est de même pour, on nous dit par exemple, nous levons aujourd'hui là, et puis, on dit que nous avons levé matin, et puis tout le monde n'a pas ouais, papa li, et puis il m'a dit que papa lui dit papa, al travail l'a venu. Si 10 heures du matin arrivé, tout le monde m'a dit, mais côté papa, date nous dit que ça va jouer, on a dit papa m'a venu. 10 heures, papa pour revenir. Les 11 heures arrivé, papa pour revenir. Les 2 heures de l'après-midi arrivé, m'a dit côté papa, yo dit papa pour revenir. Mais cependant, moun ki intelligent ap suiv pou yo wè, soleil la, te nan l'est. Le petit la te mande pou papa la. Soleil la vin nan mi-temps. Le petit la remande pou papa la midi. Soleil la vin nan l'ouest kounye a, à 2 heures de l'après-midi. Tan yo change, bagay yo pa même encore. Yon moun ki intelligent, ke moun ki gen oreille pou koute, pou tande koute, ke moun ki gen je, pou gade, ouais, pas juste garder seulement, mais ouais aussi bien. Et tant yo pas même encore, bagay yo changé, intensification ça que te kon fait yo, li augmenté. Disons, kitem juste li en référence à Sodia, et m'te mentionné le même pat li, Ézéchiel 37, verset 21, il dit, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de tout part, de toute part. Je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation, parce que après la mort de Salomon, Israël était divisé en deux. Il était tourné Israël qui était gain capital à Samarie et Juda qui était gain capital à Jérusalem. Il était une deux nations. Disons Samarie avec Jérusalem avec Israël pardon. C'est distribué, ça est considéré comme distribué perdu. Les deux autres, c'est eux-mêmes qui étaient Judas qui était allé en captivité à Babylone. Et l'Éternel dit, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi et ils ne formeront plus deux nations et ils ne seront plus divisés entre deux royaumes. Il y a plein de monde qui a discuté, qui a dit, mais non, moun, ça a tourné l'autre bois, ce n'est pas eux-mêmes qui juifs. Ce n'est pas ou même parce que son bande blanc, etc. qui te m'dou. Ça, c'est parole. Moun ap di, mais pourquoi j'aime mon pays dans l'histoire de l'humanité qui tombe au sauté pendant 2000 ans près et puis qui retourne la donne avec cette puissance extraordinaire, nous croyons que les enfants d'Israël et des deux côtés, les enfants de Juda et les enfants d'Israël, ils retournent aujourd'hui à Juda pas existé encore. Israël pas existé en tant que pays divisé, mais Israël comme un pays uni existe aujourd'hui à. Et puis devant Navawe, puis plus toujours. Bon, oui, c'est ça. Et chaque monde qui veut faire intervention est capable qui dans l'image, nous capable de lever mes noms et comme ça, est capable de nous la parole et l'autre monde est capable d'écrire et faire nous connaître et si qui ça y ouvre dit et comme ça, et pasteur Mathias va répondre. Ok. Comme beaucoup dans le chat là, mais qui est-ce qui a une question qu'on y a là? Levez-moi et puis vous mettez unmute yourself and ask the question. Ou ka, juste pour background noise, so nous t'es obligé. Et en pile, c'est sous mon question ou capable juste unmute et puis poser. Est-ce que quelqu'un qui qu'on y a une question, nous capable poser question? Sous tout ça qui a rapport avec le retour, tout ça qui a rapport avec ça n'a pas l'air. So, on a prêté dans le contexte là. Je connais son paquet de théologien mien. So, il n'est pas obligé en question, mais il est capable de suggestion, capable n'importe commentaire, juste pour nous qu'imbir live, ça n'a pas so, qui est-ce qui a posé la première question? Ok, alors, il y a une question même, je me poser à ce Mathias, c'est moi même le fait que il commencer avec Daniel 9, il continue le Matthieu 24 et puis nous allons arriver dans l'Apocalypse. Si tu as un petit en plus éclaircissement encore sur mettez 62 semaines nan, jusqu'à ce que nous arrivions dans le côté où dit quoi que pas bon semaine. Donc est-ce que tu as une petite élaboration plus ou moins étendue étendu clarification. Sur... OK, yes. All right. Alors, nous connaissons que Ange Gabriel dit Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Les 70 semaines, il dit,
Il dit dans verset 25, « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. » Disons, les Daniel t'a parlé à 70 semaines, nan, t'es guettant là. Et 70 semaines, nan, nous venons comprendre, ce n'est pas 70 semaines littérales, mais c'est 70 semaines prophétiques. 70 semaines prophétiques parce que le moment Daniel t'a parlé à, les nous garder qui te gagne deux ou trois, nous t'a dit, paroles qui t'a annoncé que Jérusalem t'a pas le rebâti, t'a gagné Zorobabel, t'a gagné en Esdras, monsieur, t'a allé, t'a commencé, t'a pas arrivé. Mais cependant, d'après Néhémie chapitre 2, il dit nous, la 20e année du roi Artaxerxès. 20e année, hein, et d'après l'histoire, dans n'importe encyclopédie, n'a pas ni, il dit le roi Artaxerxès en 2 prend pouvoir en l'an 465. Il dit papa était là en 485, il fait 20 ans, il mourit, petite là prend en 465, de 465 à 445, baou 20 ans, c'est 20e année ça. Et décret ça te bail et le décret a te bail et nous comprendre que Néhémie allait li pat kan kou lotyo qui t'est allé dans mission yo qui pas arrivé accompli mais li t'est allé mission par la t'arrivé accompli travail li t'a fait arrivé fait. Disons nous comprendre que 70 semaines ça qui c'est 70 semaines d'année puisque yon semaine égale à 7 ans et les nous garder dit 7 semaines passées et de l'heure Néhémie te prête joindre décret en 445 pour arriver le Daniel Théa approximativement il dit que 49 ans te gétant passé c'est ça que nous comprendre et nous vinn comprendre kounia les 70 semaines c'est 70 semaines multiplié par 7 qui bon 490 ans qui fixé sous peuple là et sous ville Sainte-Lan 62 semaines qui égale à 434 ans et vinn mettre sous 7 qui t'est passé déjà au bon 69 semaines li dit 69 semaines nan a privé dans verset 26 là li dit après les 62 semaines un oin sera retranché et nous comprendre que oin qui gagne pour retrancher a fait référence à Jésus-Christ qui t'est gagne pour vinn fait et mouri et il dit il n'aura pas de successeur Jésus allait mourir personne moun pa ka prétendre que yo capable rempli et yo capable marcher dans soulier ça parce que soulier ça trop gros pour yo et Jésus et nous comprendre aussi gagnon intermède entre la 69e disons bien 7 semaines qui était passé avant Daniel 62 après Daniel et les calculs la fête et 69e semaine nan ou bien 483 ans en tout entre 7 semaines et 62 semaines nan il y a 483 ans 483 ans arrivé coïncider exactement à la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et disons, et l'ère de la grâce entrée, pendant l'ère de la grâce entrée, et nous t'a dit réveil prophétique là, pas continuer cliquer, li camper. Et ceci là pour recontinuer encore parce que qu'on y a un temps de la grâce, gon année de jubilé qui commençait là. Et la pour cliquer à nouveau. Lorsque l'église aura été enlevée et a une période de 7 ans qu'ap vini, c'est l'heure antéchrist l'ap vini et les noirs aller dans Jérémie chapitre 30 verset 25, il dit nous c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré parce que c'est le temps où la grande tribulation est à faire rage sur la terre, c'est le temps où et les martyrs y a décapité yo. C'est ça que fait te dit, moun qui persévère jusqu'à la fin, c'est yo k'ap sauvé, c'est moun qui continue résister vis-à-vis de antéchrist là, moun sa yo, y a sauvé et néanmoins que yo continue persévérer jusqu'à la fin et jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est ça 70e semaine là qui est encore pour venir et à ce temps là, l'église ne sera pas sur la terre. L'église aura déjà été enlevée au ciel. Et dans ça relé l'avènement du Christ. Alors c'est me penser ça porter plus ou moins en clarification en ce qui a trait à décantation 70 semaines. Mon cher, on t'a dit ben ça plusieurs fois mais
Parce que c'est la fois que je venais beaucoup plus expliquer, bien élaborer. Enfin, monsieur, quand dit mon étude 10 sur 10, merci bien pour la façon que vous répondez. Béni soit l'Éternel. Comme clarification. Béni soit l'Éternel. L'autre question? Allez-y. L'autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Si vous avez une autre, on peut continuer. Pasteur Mathias, avec l'évolution technologique, nous, ouais, tant qu'on a des bagailles, qu'on a dit ça, qui semblait à des bagailles prophétiques qui t'a censé faire déjà apparemment. Par exemple, nous avons un chip pour mettre en bas main, mettre dans le fond, etc. Qui dans la Bible a un prophète, mais que nous, qui fait dans un sens parce que gagné pays même qui est attaché non mais droite monde ou bien mettre dans fond et puis sous prétexte ou bien toute information santé information bancaire etc tout ça là bon nous comprenons bien que faut pas ça t'a déjà là quand même parce que si c'est pas aller la fin il y a venir nous comprenons ça est-ce que il y a des précautions qu'on y a là pour un chrétien qu'on y a là t'apprends bien que nous croyons que c'est pas lui, c'est pour lui, mais est-ce qu'il y a des précautions que le chrétien t'a dû prendre quand il s'agit de mettre un chip sous pour prendre information qui semblait typiquement avec ça nous connaît qui va le passer. Est-ce qu'il y a des précautions que nous t'a dû prendre aujourd'hui pendant que l'église pour aller? All right. Merci pour la question. Gagner une démystification qui besoin fait dans mi-temps nous comme chrétiens. Et moi, chrétien, pi peu, ça nourrit les marques de la bête là, parce que moun ki ta dwe pèl. Chrétien, pas réalisé que marque de la bête, pas pour nous, li pa ka arrive pran nous. Alors, il est vrai, gen l'église qui poste, qui poste tribulationniste, gen l'église qui a. Alors qui amillénial qui pas quoi et qui poste c'est ça au prêcher qui fait moun yo tomber dans confusion. Par exemple, il y a l'église qui dit que l'église l'a pas enlevé après la grande tribulation et pendant 1000 ans. Yo dit pendant 1000 ans et la terre sera dévastée, la terre sera vide, Satan et ses acolytes a fait bamboche sous la terre. Ça n'a pas gagné dans la Bible là, du tout. Moun qui vient avec lui, on pas connait côté sorti avec lui. Nous comprenons que dans moment grande tribulation qu'a privé a et les nous lit dans Romains chapitre 8 verset 25 nous joignent et bon Dieu lui-même et jeté Israël dans un endurcissement et quitte m'lili avant mal bail réponse là. C'est Romains 11 25 il dit car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et le temps de la grâce, c'est le temps des nations, c'est le temps où n'importe monde capable vient accepter Jésus parce que ces résultats, ils ont promesse, bon Dieu t'a fait à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 6. Il t'a dit, je ferai de toi une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et c'est ça que fait Daniel dit, Daniel 9, 24 a continué, Daniel 9, 27, il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, et c'est pas sous aucun lot, bien que toute nation sous la terre absence et a jugé dans moment, mais tant qu'on j'aime so mentionner pour nous, qui t'aime l'île aussi, c'est dans Jérémie chapitre 30, et mais ça le dit, Jérémie chapitre 30, le verset 25, il dit, c'est dans 31, allez. Il dit 30, verset 5 plutôt, pas 25, verset 5. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins
comme une femme en travail. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur! Car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Qui t'en lié? Nous la fait référence exactement à la dernière des 70 semaines mentionnées dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Maintenant, nous comprenons aussi que, et dans Daniel chapitre 12, il dit nous, Israël gagne pour la cacher dans le désert là pendant 1260 jours. 1260 jours, l'on divise par 30 jours, qui c'est un mois dans le calendrier juif là, il y a 42 mois, qui égale exactement à 3 ans et demi, qui c'est moitié de la semaine que Daniel 9 dit, lorsqu'on arrive dans moitié semaine, non, mais ça cap fait. Nous comprenons que c'est là où il vient dans moitié semaine, non? Il dit, verset 5 dans Apocalypse 12, il dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert. La femme, c'est Israël. Elle aura à s'enfuir dans le désert, et elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, qui c'est exactement 3 ans et demi, qui c'est et point pivotal, et côté deuxième partie, ou bien la grande tribulation a commencé, c'est à partir de ce point où et bâton a changé bout, et maintenant dans chapitre 13, dans le chapitre 13 là, que je ne pas arriver là dans mais en nous balé, il dit que la deuxième bête, il y en a qui verset encore, il dit verset 12, il dit, terminé verset 11, il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Première bête là, c'est la bête politique ou l'antéchrist qui vient pour venir. Et deuxième bête là, c'est la bête religieuse qui vient pour venir. Et nous prenons l'aspect religieux à la dernière. Il dit puis je. Pardon? Le faux prophète. Définitivement, le faux prophète. Il dit puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Il semblait à un agneau. Mais agneau a des grandir. Elle semblait à un agneau, mais cependant, il n'est pas un agneau. Nous comptons s'allier. Il dit qu'il montait comme un dragon. Il est un dragon. Il dit elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Qui autorité? Autorité satanique que l'antéchrist là a gagné parce que Satan a investi toute sa gagné dans faux Christ là pour gagner le maximum monde possible. Et il dit elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Est-ce que nous avons le verbe là, le verbe adorer? Pour qui ça fait, c'est lui-même qui a fait mon adorer? C'est parce que nous, quoi, c'est un personnage religieux, c'est un personnage qui a guetté en et ils ont main levé sous mon yo, qui a guidé, qui dit aussi vers bon Dieu, l'a dirigé, et puis l'a fait yo adorer image. Première bête là qui sentait Christ là. Qui vient pour recevoir un coup mortel et puis cap dit il était mort il ressuscité pour le cap prouver monde que c'est lui-même qui messia. Et moi comprendre que c'est le moment ça en lipi devant le verset 14 il dit et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Ça me dit noir. Le verset 15 dit et il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête fût tué. Et maintenant, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur quoi? Sur leurs mains ou sur leur front. Voilà la marque de la bête. La marque de la bête, il y a des gens qui disent que le pape, c'est la bête. Oui, c'est une bête. Nous comprenons que la papauté, c'est une bête. C'est la bête religieuse. Et c'est la fausse église. C'est la grande Babylone. Nous avons besoin d'un chapitre 17 qui vient pour décimer bientôt. Mais la bête qui en question, qui c'est leader politique, là, ce n'est pas le pape. C'est le leader politique qui vient comme 11e petit connant. Apparaître dans décombre l'Empire romain qui finit depuis en 476, mais sans personne bat de jambes, prendre vraiment, juste tomber dans décombre, l'a relevé encore. Et les 10 orteils de Daniel chapitre 2, et 10 orteils qui c'est 10 cornes, 10 rois, et après un 11e roi pour paraître, qui a dirigé le monde comme un dictateur. Et le faux prophète, lui, il viendra comme
complément à la bête, c'est disons, c'est la bête religieuse et cap fait ou vin adorer et c'est le ça seulement la marque de la bête a possible pour nous recevoir. Nous comprendre technologie qui fait qu'il a, faudrait-il bien que technologie ait été inventée pour préparer, faut terrain à planir, faut chantier après, faut route la tracer. Et puis, l'heure arrivée, ce n'est pas l'heure à l'inventer parce qu'il n'y a pas bien de temps, mais l'heure est arrivée, il y a juste implémenté. La technologie a certes l'île déjà. Ça, où est-ce fait là? C'est un échantillon, ça qui vient pour faire là, mais ça qui vient pour faire là, pourquoi qu'a fait? Parce que dans un Thessalonicien, il dit nous, la présence du Saint-Esprit imposée, impie, l'impie, c'est le faux prophète. Et pas le faux prophète, c'est l'antéchrist qui vient pour venir, et le faux prophète aussi. Et lorsque, aussi longtemps que présence y a là, que présence Saint-Esprit y a là, il n'y a pas qu'à émerger. Alors, la marque de la bête, pas possible pour nous, ni l'Église, pas qu'à recevoir la marque de la bête, comme Jean-Pierre Moun dit, parce que la marque de la bête, en fait, c'est dans la deuxième partie de la grande tribulation, c'est le A et le ça seulement la possible, d'après et Apocalypse chapitre 13, que nous sommes pour là, dans verset 11 à verset 18. Pasteur Mathias, où tu mentionné leader religieux, ok, en pile monde, dit c'est le pape, d'autant plus, bagaille qui fait que cette fête-là, là, bah, on est sur YouTube, il paraît sur YouTube, you know, sur toute bagaille, et son vidéo qui est vrai, côté pape là, paraît, lui déclarer carrément que 14 mai, bon, qu'on est nous presque arrivé tout près 14 mai, sa déclaration a été faite depuis dans la zone de décembre, janvier, que 14 mai, c'est date officielle lui-même, lui établi pour et nouvel ordre mondial, c'est que One World Government, c'est que un gouvernement mondial, carrément. Il était sous tout, il fait ça carrément. Après coronavirus, il a changé, en 18 octobre. So, li toujours dans tête li. So, est-ce que Kounia la pata ba raison à moun ki dit carrément que c'est le pape même qui pral leader religieux ça? OK. Alors le pape qui là capable getan mouri, oui. son l'autre pape qui vini, mais c'est la papauté, c'est le bureau même de la papauté, nous croit que c'est là pouvoir chita et c'est moun sa yo. L'institution papale. L'église catholique là quand même c'est là la sorti. L'institution. L'institution même, merci, pasteur Blaise, c'est l'institution même de la papauté, c'est lui-même même, nous croyons qui représentait cette deuxième bête religieuse qui a marché dans l'œcuménisme. L'œcuménisme qui objectif, lui, c'est faire toute l'église, toute religion, pas toute l'église, non, toute religion vienne ensemble pour venir entrer en conformité à l'église catholique. Pape dit permet que lorsque la technologie ça vient en plein, qu'on y a allé commencer, il commence à mettre l'application, mais lorsque le film bien installé, qu'on y a la plein possibilité pour gagner ça, les téléguidés, voiture téléguidée, ou pas besoin de conduire machine encore, après de pouvoir entrer sur Aroya, automatiquement gagner un contrôle qui est fait de loin pour arriver à conduire machine pour contrôler. Même si c'est certain tout, avec Fabji, pral gen moyen, si ou gon microchip qui en bapo, ou est carrément que bon a fait bon Dieu, ça pas normal non du tout. Et puis c'est cadeau ouais que ouais ça fait bon Dieu que on me qui en mag là, c'est pas quoi pas capable ou pas gen possibilité même pour accepter pour prendre bon Dieu encore parce que mal nous gon contrôle complet là-dedans ou pas mettre tout. Parce que alors tout répondre question que et est-ce que chrétien ou tandoué fait attention avec forme ça même si c'est pas tant que ça mais pas tant si ou ta ouais ça pour ta éviter ça est-ce que c'est ta yes, c'est ça m'a dit même pas quand il m'a dit ne prends pas ne touche pas alors moi m'étais capable ajouter c'est pas seulement ça non et il y a certaines choses moun yo vin avec lui par exemple il y a un vaccin monsieur a essayé inventer nous comprendre bien à l'aide du vaccin ça y a des choses y a injecté dans ou qui ca permettre ou prendre contrôle ou vin téléguider alors nous comprendre grand pile précaution qui doit prendre et ceci même au niveau santé ça pour dire moi ça là dans produit chimique qui là dans pas gayer pas gon yon li pas bien marché puis le gayer ensemble puis le tuer moi je pensais que nous devons faire prudence il y a certaines choses
qui pas nécessaire, nous pas obligé à là-dedans. Nous pas obligé faire. That's it. Amen. Dans Matthieu chapitre 24 verset 15, bien que il fait objet étude prochaine étude nous, mais quittez-moi l'île quand même, il dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et puis devant, m'a pris des pour me dire, c'est ça que fait Lydie, dans verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Pourquoi c'est en hiver et un jour de sabbat? Pourquoi c'est, pourquoi c'est en Judée? C'est parce que, non seulement c'est l'intensification de la grande tribulation, mais c'est parce que Israël soulevait le talon contre l'antéchrist. Et maintenant qu'on y a ces fureurs antéchristes qui ont augmenté, et qu'on y a Israël a le caché, le pas qu'a fait Israël en y encore, les 144 000 et les pas qu'a fait en y en, et qu'on y a les en fureur, et qu'on y a la demandé pour le déchirer et pour le craser, briser. Et c'est l'heure à la demander pour contrôler mes iris moun qui gen sous planète là. Yes? Question maintenant, c'est tabral et concerné moun qui mourit dans période tribulation yo. Qui sont cardinaux de yo, qui le y a ressuscité et est-ce que y a fait partie du millénium nan? Dans chapitre 6, verset 9, il dit quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolé à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Mounsayo, Namio, devant mon Dieu, en bas l'hôtel là, il a demandé mon Dieu, qui leur a jugé nous, mon Dieu, dirait tant encore parce qu'il y a l'autre frère, nous toujours, il y a l'autre compagnon, nous qui vient pour venir. Mounsayo, certainement, c'est moun au retour du Christ, après la bataille de la Magédon, qui prend l'entrée dans le royaume, qui prend le jouir avec, ils ne font pas partie de l'Église, pour ainsi dire. Mais son classe, tout à fait. Spécial, la classe des martyrs, ils ont sauvé aussi bien, la Bible dit qu'ils ont sauvé comme à travers le feu, mais ils ont sauvé et ils sont là dans et le royaume davidique, le royaume millénaire, et avec le Christ. Qui ne pas dit plus, et puis n'a réservé ça pour après. Ok, ça veut dire que s'il a fait partie du règne millénaire, il y a eu pour ressusciter là, qu'on y a dans fin 7 ans, qu'on y a pour faire partie de 1000 ans. Right. C'est ça que fait la Bible parler d'une première résurrection. La première résurrection n'est pas première résurrection en temps, mais c'est première résurrection en qualité. La première résurrection se fera environ trois ou quatre façades. L'Église sera enlevée, c'est la première résurrection. Les martyrs seront ressuscités, c'est la première résurrection. Les saints de l'Ancien Testament seront ressuscités, c'est la première résurrection. Donc, nous comprenons que la première résurrection, ce n'est pas nécessairement en temps, mais c'est en qualité de résurrection, en qualité, les premières. Et deuxième résurrection, hein, c'est résurrection qu'a fait des impies de tous les temps, qu'a fait pour le jugement du grand trône blanc. Oui, pasteur Labotte. Alors, nous remercions pasteur Mathias. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui voulait poser une question? Est-ce qu'il y a écrit quelques questions pour nous, avant de terminer que pasteur Mathias était capable? Yes, nous te dit utiliser chat room non, même sous notre téléphone nous capable toujours faire ça. Et, ou bien sous ces vidéos nous capable lever main, nous capable poser question. N'a checker chat là moi quelques cris même pas quoi. Est-ce que il y a monde qui t'ai posé quelques questions dans chat room non, nous pas ouais. Qui est cette question? Donc une question de frère Atilus. Frère Ner, allez-y avec la question. Alors, il tape question, oui. Il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en jour de sabbat. Est-ce que l'adoration sabbatique sera à nouveau de mise? Ok. Belle question et merci. Je suis arrivé sous l'île à tout à l'heure et puis je me fais back. Je me fais dire. Et raison que fait dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en jour de sabbat, c'est parce que
c'est Israël qui aura à s'enfuir dans le désert. C'est Israël qui dit dans verset 16 là, alors que ceux qui seront en Judée, mais ce ne sont pas ceux qui seront à Port-au-Prince, ou bien ceux qui seront à Paris, ou ceux qui seront à Lakewerth, mais elle dit que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Pourquoi c'est Judée? C'est parce que ça a un rapport simplement aux Juifs qui ont un cap courir pour le cacher. Il connaît Juif yo dans synagogue yo. Il dit malheur. Il dit si ça arrivait un jour de sabbat en hiver, la fait fret moun pa ka kouri, un jour de sabbat plein moun en dans temple cap observer sabbat yo, c'est ça que fait il dit ça. Mais cependant, deuxième partie question, hein, est-ce que le sabbat sera de mise? Certainement. Les noirs aller dans Ésaïe 66 dans Ésaïe 66, premièrement qui ça gagne le royaume millénaire, qui royaume lié, royaume qui est lié? C'est royaume davidique, c'est un royaume que David lui-même, bon Dieu te promet, il te dit gon petit David kapchita sous trône nan. Et dans Ésaïe 66 verset 22 à continuer, il dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Alors, c'est un passage, bien entendu, et nos amis adventistes disent que le passage ça a prouvé l'éternité du sabbat. Ça n'a pas gagné pour l'éternité, parce que dans l'éternité, pas bien moun moui. Parce que passage là parlé de moun qui peut observer le sabbat kap moui. Nous croyons que là parlé exactement de époque et millénaire là côté Jésus à roi sur la terre. OK, sur le sabbat oui sera de mise parce que et c'est le royaume d'Israël, c'est le royaume davidique et rappelez-nous chaque dispensation finit à con jugement, dispensation la loi qui jugement ni, faudrait-il bien que jugement vini, jugement vini pendant la dernière semaine, la dernière des 70 semaines qui ont été fixées sur Israël. Très belle question frère Alain, merci. OK. Et est-ce qu'il y a une autre question avant pour nous t'en conclure? N'a pas rappelé mon que nous sous télé l'église et puis n'a suivre programme ou bien émission Bible en main, un programme côté nous réellement ouvrir Bible là et puis nous faire Bible à parler peut-être. So si pas gagne l'autre question, pensez n'a juste encourager tout le monde et pendant que n'a remercier tout pour participation, toujours venir. Pas penser c'est à la légère et sans faire et chaque fois que ou t'a invité un autre monde c'est même mouvement ça ou bien même activité ça pour évangéliser pour instruire un autre c'est exactement ça fait c'est ça ou fait a gain pile valeur ni pour moi ni pour vous et bon Dieu prendre grand ouais et pasteur Chevrin levé meni sans doute gain droit c'est lui qui a posé dernière question. Bon c'est pas vraiment dernière question même ta juste avant me féliciter présentation travail là et son belle initiation initiative que lié maintenant même pasteur Mathias ça intéresser plus sur type là parce que pile question de à souli maintenant nous ta vraiment élaborer plus souli et ça ca permettre monde qui là yo va joindre pour partager avec monde qui a posé question à la rue. Bon alors bien entendu me comprendre intensité question qu'a posé sous type là pas faire plus que ça le t'a doué ni faire moins que ça le t'a doué et nous ça n'a dit seulement que la Bible pas dit nous c'est un type, la Bible dit nous son marque et nous comprendre que type là se pourrait-il bien que puisque nous comprendre intention qui derrière type là c'est pour capable téléguider monde. Téléguider les mondes, cela veut dire que yo gon contrôle côté Oshita, et puis moi-même mon côté mien là, et puis yo fait me penser en l'autre gens parce que gen moyen pour yo changer façon de penser moi à cause de chip ça qui dans système moi ou bien vaccin ça yo bon moi qui dans système moi. Nous comprendre que nous devons faire en pile attention, mais cependant la marque de la bête, ça moi quoi qui plus important mon téléspectateur vous entendez, la marque de la bête li pas possible pour arriver pendant l'église là sur la terre à cause de la présence du Saint-Esprit. Mm-hmm. Nous comprenons que la marque de la bête a privé lorsque nous arrivons dans la deuxième partie grande tribulation. Hein. C'est le ça, la marque de la bête a venu peut-être
sont leur technologie qui plus avancée par ces chips là qui ka vini qui ka représenté marque de la bête là dans l'époque là venir mais la chip là et alors on relait le puce en français et puce là c'est de la bête mais nous baï mon avertissement bagaille comme ça c'est bagaille nous devons éviter parce que nous pas connait qui répercussion ça capable gagner sur santé nous. Nous pas connait peut-être si c'est pour moyen pour commencer déjà téléguider nous. Nous pas connait. Nous devons être prudents comme le serpent. Mais cependant, ce n'est pas la marque de la bête et la marque de la bête est encore à venir. La marque de la bête et l'avenir, gloire soit rendue à Dieu, l'église de Jésus-Christ pas là parce que l'église là pas passé dans la grande l'église là pas passé dans la grande tribulation, mais l'église là l'a enlevé quand Jean 1 Thessaloniciens 4 verset 14 à 18 dit nous, il dit nous à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés et ensemble nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous comprenons ça fait comme ça et un Corinthiens 15, 51 a continué aussi et décrit pour nous comment ça a fait. L'église Jésus-Christ a pas enlevé et dans Apocalypse chapitre 13, nous jouons Marc de la Bête l'a venu sous main droite ou bien sous front et c'est le leader religieux, le faux prophète, c'est lui-même capé et fait bagaille ça arrivé. Faites-nous quoi que la puce là, c'est pas la marque de la bête encore, mais nous encourager chrétiens pour pas habituer même avec bagaille comme ça pour aller bagaille comme ça encore. C'est ça nous encourage au fait. Ça cap factualité, il y a mon cap travail. Na travail yo. Mhm. Yo commencé et voulait imposer yo. Et que pas travail. Mhm. Alors pour nous même sécurité et comment d'abord avec quelques chrétiens, ça c'est une opinion, ça c'est personnel que lié. Mhm. Parce que grand pile nan nous comme chrétiens aujourd'hui à nous manquer conviction. Yes. Et me t'ai allé avec yo que le sagrafin ça cap négo, si n'est ça pas de conviction. Yep. Au début j'ai coubé. Yeah. Et il était plutôt mouru parce que coubé. Et le fait que tu as accepté mourir parce que coubé, et puis tu as gagné la vie. Yes. Ça veut dire que je crois que ça qui me demande en plus d'élaboration parce que il y a plein de gens qui ont maturité déjà, qui ont gagné, et les gens qui ont gagné un lieu pour eux, et pour eux, définitivement, c'est une marque de la bête. Malheureusement, maturité, quelquefois, vini, c'est avec un pile expérience. C'est après un pile monde fin passé dans un mauvais carrefour, un pile fois, il y a béni soit l'Éternel, ti monsieur yo, mais chaque chalaga Abednego, là où tu es campé devant Nebuchadnezzar, où tu es dit Nebuchadnezzar, au roi nous voulons qu'on est, nous papa d'où et imageoua. Bon Dieu nous a qu'à délivrer nous, et s'il pas délivrer nous tout, nous voulons faut qu'on est que nous papa d'où et imageoua. Et mais je vous dis, à nous besoin des chrétiens de conviction comme ça, et qui pour camper, qui pour dire, et nous-mêmes, si c'est travail là, qui t'aime dire où? Et pas yo même, et pas grand pile nan nous qui en danger côté nous travail. Surtout nous même qui travaillons dans l'éducation, pas besoin de laboratoire trop sur ça. Et surtout nous même qui travaillons dans l'éducation, pile nan nous en danger. Parce que à tout moment, yo ka mande nous pour nous faire quelque chose. Nous dit non. Et puis nous perdons du job là. Qui te me dit ou? Si c'est, si me dit, ah, m'pap ka paye kay moi, m'pap ka manger, ma pe pour y pas révoquer. Mon cher, qui te me dit ou? Que mal habite en bas pour moi, il y a certaines choses que m'pap prenne en même monde. Parce que c'est ma conviction chrétienne. Et moi, quoi que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas retenir si nous faisons expérience mauvaise là, pour nous gagner maturité, pour nous camper, pour nous défendre tête nous, mais nous devons aujourd'hui camper pour nous défendre ça, nous quoi, et défendre avec véhémence. Mais cette affaire de puce, ce n'est pas encore. D'ailleurs, et les faux témoins de Jéhovah, lorsque carte de crédit est venu, ils ont dit que c'est carte de crédit qui marque de la bête là. Témoin de Dieu va pas de gain droit pour te posséder un carte de crédit. Laisse ça te venir. Dans l'année fin 70 entre dans 80, yo pas de gain droit pour te gain. Mais je dis à chaque gain un carte de crédit parce que yo connaît, c'est pas vrai. Qui sait si dans 10 15 ans pas bon l'autre technologie et qui encore beaucoup plus avancé que puisse ça je dis à et que l'antéchrist a pas l'utiliser et le faux prophète pas l'utiliser pour et marquer moun comme marque de la bête pour bail marque de la bête là. Mais c'est merci et pasteur de ce que dit ça, nous croyons que en pile en frère nous yo et sœur nous yo, nous besoin gain conviction pour nous camper. D'ailleurs la Bible dit nous tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché dans Romains chapitre 14. Nous croyons que nous besoin gain conviction chrétienne
pour nous camper, pour nous connaître ça bon et puis pour nous apprendre à distinguer le bien du mal. Yeah. OK. Oui, c'est pour ajouter à ça, parce que j'ai dit, il y a un bail qu'on a besoin de faire depuis qu'on y a là, dans le même chrétien. Puisque nous connaissons que, pour avoir une pression, tout notre travail avec l'État, donc depuis qu'on y a, attention pas capon, et préparez-nous depuis qu'on y a, il y a un bail qu'on a besoin de faire, et c'est éliminer la dette. Et c'est éliminer la dette depuis qu'on y a, pour le bail s'arriver, pour même si on dit, il y a un fire, pour dire que vous dites, OK, parce que, système de congrès est tellement réduit que vous n'êtes pas obligé de foncer de compromission par rapport avec la vie chère. En toute chose, il faut considérer la fin. Alors, nous disons merci à Pasteur Mathias et le rendez-vous, c'est pour samedi prochain. Même heure, 9h, et sur télé l'Église. Next rendez-vous, alors nous pourrons dire samedi, mais nous avons Pasteur Aubert au pont. Pasteur Aubert au pont, c'est les jeudis, toujours dans le même l'heure, c'est à 9h, c'est 9h du soir, Pasteur Aubert au pont, et puis Pasteur Mathias chaque samedi. So, pour le moment, nous gagnons 2 jours dans ce maintenant, côté nous, à faire ça, à faire là. OK, so, on a fait même genre, on a réuni encore, et puis la présenter, même genre avec Pasteur Mathias, et puis on a posé question pour nous qu'aimer débat. Merci un pile, c'est tout. Invitez l'autre monde, parce que c'est ça qu'a fait intéressant et le nous gain plus participation parce que Bible a dit peuple a péri faute de connaissance, c'est à dire que nous tiens à ce que yo connaissent parole bon Dieu. Bye bye tout le monde, à la prochaine.